Bonjour et bienvenue sur HypnoSOS, des séances d'hypnose courtes pour vous aider à traverser votre journée. Je suis Anne-Laurence Fritsch, thérapeute holistique depuis 20 ans. Ce podcast a été créé pour vous aider en cas de stress abondant et que vous manquez de temps à consacrer à la gestion du stress. Chaque épisode dure au maximum 15 minutes et contient des exercices de relaxation et de nombreuses suggestions positives sur différents sujets tels que la gestion du stress, la réduction de l'anxiété, l'amélioration du sommeil et bien d'autres choses encore. Si vous n'avez jamais écouté ce podcast auparavant, veuillez suivre les instructions suivantes. Sinon, vous pouvez avancer directement de 2 minutes jusqu'à la petite cloche qui annonce le début de la séance. Donc, si c'est la première fois, choisissez un lieu et un moment propice où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous. L'essentiel est que vous soyez confortablement installé. L'utilisation d'écouteurs vous rendra l'expérience encore plus agréable. Si quelqu'un ou quelque chose vous dérange pendant votre écoute, occupez-vous-en, puis fermez à nouveau les yeux, prenez trois grandes respirations et reprenez de là où vous vous étiez arrêté. Soyez rassuré, vous garderez le contrôle tout au long de la séance. Assurez-vous de ne rien faire d'autre pendant que vous écoutez l'audio et surtout de ne pas conduire. Pour en savoir plus à mon sujet, vous pourrez consulter mon site hypnoreunion.com et vous trouverez tous les détails dans la description de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié l'hypno-SOS de cette semaine. Si vous trouvez ce podcast utile, ayez la gentillesse de le partager, de vous abonner et bien sûr de laisser un commentaire. Si jamais vous avez des suggestions à faire pour de futures sessions, merci de les partager dans vos commentaires. À bientôt! Meilleur sommeil. Installez-vous de façon à ce que votre corps soit confortable. Vous pouvez fermer les yeux et prendre quelques instants pour écouter le son de ma voix. Simplement le son de ma voix qui va vous aider. Vous aider à bien dormir. Et vous pouvez l'écouter dans les moments où vous êtes au lit, le soir, pour vous permettre de plonger dans un sommeil naturel et profond. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez l'écouter pendant la journée. Et à la fin de cet audio, vous vous réveillerez comme il vous convient. Donc, la façon dont vous réagirez à la fin dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Rappelez-vous toujours que vous avez le contrôle. Dans quelques instants, laissez votre attention descendre jusqu'à vos orteils. Et essayez, si vous le pouvez, de contracter vos orteils, puis de les détendre. De les contracter, puis de les détendre. Et maintenant, en remontant dans les muscles de vos pieds et de vos chevilles, contractez-les et détendez-les. Puis, les mollets, faites la même chose. Contractez-les et détendez-les. Et reliez cette contraction, si vous le pouvez, à votre inspiration. Laissez vos muscles se détendre à votre expiration. Et pendant tout ce temps, vous constaterez que votre respiration s'approfondit naturellement. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, parcourir les groupes de muscles jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet de votre tête. Et le bout de vos doigts.
afin que chaque partie de votre corps traverse ce processus. Chaque muscle contracté puis détendu. Contracté puis détendu. Et vous constaterez qu'au fur et à mesure que vous parcourez vos muscles, votre corps commence déjà à se détendre. Vos muscles commencent à se réchauffer, à se reposer, dans une position naturelle et confortable où vous pouvez tout simplement les oublier. Commencez à oublier votre corps. Comme vous le faites lorsque vous vous endormez naturellement et profondément. Pour vous aider, contractez les muscles à l'inspiration et détendez-vous à l'expiration. Et vous verrez que votre esprit oubliera parfois de le faire. Et ce sera très bien. Très bien. Ainsi. Vous remarquerez peut-être que vos pensées vagabondent, alors que vous vous enfoncez toujours plus profondément. Encore plus profondément dans ce temps et cet espace où vous pouvez être en paix. Où vous pouvez vous détendre tout au long de la détente pour le moment. Rien d'autre n'a d'importance. Vous avez le contrôle. Et à mesure que vous vous enfoncez toujours plus profondément détendu, plus profondément détendu, vous pouvez découvrir que votre esprit vous aidera à commencer et à continuer à trouver naturellement le chemin du sommeil. Un sommeil profond et paisible. Un sommeil profond. Sommeil profond. Car il y a une partie de votre esprit qui est éveillée même lorsque vous êtes endormi et qui est conçue pour vous protéger, pour vous garder en sécurité. Et c'est cette partie de votre esprit qui prend le dessus lorsque vous commencez à vous détendre et vous aide à entrer dans un état de sommeil profond et naturel. Profond. Et en sachant cela, vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous sentir en sécurité pour vous laisser aller au sommeil. Sommeil.
sommeil. Et j'aimerais que vous sachiez qu'en étirant, en contractant, puis en étirant et relâchant vos muscles, vous avez également éliminé toute tension nerveuse inutile associée à des pensées ou à des sentiments qui vous ont empêché de vous endormir. Mais s'il reste des pensées ou des sentiments qui vous ont empêché par le passé de vous endormir, qui, dans le passé, vous ont empêché de dormir, vous pouvez et vous allez les laisser se rassembler dans les muscles de votre poitrine. Et en prenant une profonde inspiration, vous pouvez maintenant détendre ces muscles, expirer et laisser les pensées l'accompagner. Expirer ces pensées. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne serez peut-être pas conscient de ce qu'étaient ces pensées, mais que vous serez conscient d'un changement dans votre, dans la façon dont vous vous sentez. Vous vous sentirez plus léger, légère, capable de respirer plus profondément, comme si un poids, comme si un fardeau avait été enlevé. Et c'est le cas. Toute pression ou tension nerveuse inutile ou anxiété qui, dans le passé, vous empêchait de dormir est maintenant levée, partie. Et vous pouvez laisser la partie inconsciente de votre esprit prendre le dessus. Et vous pouvez et vous allez entrer dans un sommeil naturel, profond, 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 profond sommeil, si profond. Et il n'est plus nécessaire d'écouter attentivement les mots, les sons. Car le simple son de ma voix vous transporte dans un état physique et mental de plus en plus profond, de sommeil profond, 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 profond. Profond. Profond sommeil. Et à partir de maintenant, quand vous dormirez, vous rêverez. Et vos rêves consisteront à vous aider à résoudre les problèmes qui, dans le passé, vous ont empêché de dormir. Votre esprit trouvera son propre moyen de changer votre esprit à propos des choses que vous pouvez faire. Et à partir de maintenant, lorsque vous dormirez, vous rêverez et dans vos rêves, vous réglerez tout ce que vous devez régler pour vous aider à mieux contrôler chaque jour. Et à mieux dormir, à vous sentir mieux, plus enraciné, plus fort, plus forte, plus optimiste aussi. Vous avez le contrôle. Et dans quelques instants, vous m'entendrez compter de 1 à 10. Et à 8, vos yeux s'ouvriront naturellement et facilement. Et à 10, vous serez complètement réveillé, réveillé de l'hypnose et complètement éveillé si la situation s'y prête. Mais si vous êtes au lit, si vous êtes prêt à vous endormir, la partie inconsciente de votre esprit va maintenant prendre le relais
et vous réveillez de l'hypnose pour entrer dans un sommeil profond, paisible et naturel. Et vous réveillez à l'heure normale et appropriée, en vous sentant rafraîchi, détendu et en pleine possession de vos moyens, ainsi près. 1, 2, 3, à sortir de l'hypnose. 4, 5, 6, à revenir pleinement alerte, seulement si cela est approprié à la situation. 7, 8, 9 et 10, à dormir, à se reposer, vous contrôlez la situation.